En tant que macroéconomiste, les taux d'intérêt bas et les taux d'intérêt négatifs nous indiquent bien que nous sommes dans une période où l'investissement plus justifié et plus profitable que jamais. Les défis de la société innovante dont nous avons parlé aujourd'hui nous disent bien que l'éducation est un des moyens de répondre à ces défis et de gérer les risques qui y sont associés. Mettons les deux choses ensemble et nous obtenons la vision que l'investissement dans l'éducation est plus rentable aujourd'hui que jamais, plus justifié, d'autant plus dans une société où la digitalisation pourrait conduire à l'exclusion d'une fraction de la population. Investir en l'éducation en particulier, en gardant à l'esprit qu'il faut investir à tous les niveaux, pas seulement au niveau universitaire ou au niveau des hautes écoles, et s'assurer que les personnes qui ne sont pas nécessairement aptes à assumer le mieux la révolution technologique vont avoir des formations et un training qui leur permettra de s'insérer dans la société à l'avenir.